ça fait longtemps que je fais des livres pour enfants. C'est vrai que je suis là depuis bientôt 40 ans et que ça a commencé tout à fait innocemment, pratiquement comme une sorte de jeu, de petite expérience en marge d'un éditeur qui à l'époque, je parle des années 60, faisait exclusivement des livres scolaires. Alors, comme vous savez, les livres scolaires, c'est pas des vrais livres, c'est des livres qui détourneraient plutôt la meilleure volonté et les plus ardents lecteurs du livre. C'est des anti-livres. Au début, nous avons, je dis nous parce que j'étais moi juste un jeune stagiaire venu de ma Suisse natale pour m'amuser. Au début, on fabriquait donc des livres scolaires et j'assistais vaguement. Je faisais au début, je faisais des maquettes de couverture. Alors ça, c'était très drôle parce que c'était une maison ici, c'était Troisième République, hein, formidable. Jean Fabre, directeur général, président directeur général à l'époque, il m'a reçu avec une politesse exquise. Je suis très content de faire votre connaissance, je vais vous montrer la maison, il m'a promené, il m'a dit vous travaillerez là et tout ça. Toujours pour le stage? Oui, stage. Alors bon, voilà, donc j'ai commencé à travailler, lui je le voyais plus, j'étais dans ce bureau de production et puis voilà. Ce qui a changé à un moment donné, après quand même, on m'a demandé de faire, oui, des couvertures pour... des livres scolaires. Alors j'ai fait des couvertures, des projets de couverture très Bauhausiens. Ah oui? Oui. Ah, c'était des choses absolument incongrues sur des livres qui avaient un aspect, je vous rappelle, c'est 1960, 62, 3, qui avait un aspect 1940, avant-guerre quasiment. La typo, pour moi, c'était incompréhensible. Bon, hop! Donc vous avez innové un peu déjà là? J'avais quoi ? Un peu innové. J'avais innové, oui, bizarrement, parce que c'était très incongru et ça ne correspondait pas du tout ni au goût de la maison, ni au goût de l'édition, surtout scolaire, tout court. Et je ne comprends toujours pas comment Jean Fabre a pu accepter ces couvertures. Alors, non seulement il a accepté, mais ça a dû lui plaire, puisque vous avez cessé d'être stagiaire à un moment. Oui, en effet, il m'a engagé, au bout de je ne sais pas combien de temps. Peut-être un an, il m'a engagé. Il m'a engagé comme, alors là, assistant, officiellement, j'étais assistant de production ou de chef de fabrication. Voilà. Je lisais beaucoup. Oui. J'ai été drogué aux livres depuis l'âge de 8-10 ans, par là. Toutes sortes de livres ? Essentiellement de la littérature. De la littérature, oui, alors là, à l'époque, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'était la Beat Generation, c'était Kerouac, Ginsberg, c'était exactement ce qui est arrivé, c'était, il y avait ça et le rock, quoi. Les deux choses sont arrivées plus ou moins en même temps, et c'était ça ma religion. Je ne savais même pas que ça existait, des livres pour enfants, enfin si, naturellement, a priori, je savais, mais ça ne m'intéressait strictement pas. Alors là, on en est resté où vous n'êtes plus stagiaire, mais vous n'êtes pas encore éditeur. Non, je ne suis pas éditeur. Pourtant, et ça restera de... longtemps comme ça. Je n'ai jamais été... C'est vrai ? Oui, oui. Combien de temps ? Oh, je ne sais pas moi, 10 ans. 10 ans à l'école des loisirs sans être éditeur. C'est-à-dire... Voilà. Il faut revenir... Bon, Jean Fabre était à l'époque l'alpha et l'oméga de la maison. Il décidait de tout, y compris, je ne sais pas moi... La couleur des couloirs, tout. Et moi, je parlais mal le français au début, j'avais aucune qualification pour faire ce métier. Mais Jean Fabre, pour une raison qui est obscure, même maintenant, trouvait que j'étais
Il me trouvait intéressant, ou il me trouvait sympathique, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment, il m'a. Déjà, il m'appelait souvent dans son bureau quand il recevait des auteurs de livres scolaires, toujours. À l'époque, il n'y avait pas de livres. Et comme ça, on s'habituait à travailler ensemble. Il vous formait, en fait. Voilà. Et puis, après 3 ans ou quelque chose comme ça, il m'a amené. Il a décidé qu'il irait à Francfort, à la foire du livre. Oui. Et comme j'étais. Ma langue maternelle était l'allemand, il a pensé que c'était bien de m'amener. Comme ça, je pourrais traduire, etc. Enfin. Donc, il m'a amené à Francfort. Et à Francfort, on n'avait strictement rien à faire parce que les livres scolaires, c'est juste intraduisible. Chaque pays a ses pauvres livres scolaires tout aussi indigestes que les uns que les autres. Et voilà, mais on n'allait pas. Donc, on n'avait rien à faire là-bas. Et je ne sais pas comment, je ne sais plus, mais. On s'est promené, on faisait donc ces couloirs, les couloirs, les couloirs, et là, moi j'étais attiré par des petits machins, des petits livres que dont j'ignorais même l'existence, et c'était des livres pour enfants. Alors imaginez qu'il y avait donc des éditeurs américains, anglais, scandinaves, et un petit peu allemands, mais surtout anglais, américains et scandinaves qui m'ont frappé, donc leur stand m'a frappé par la variété des livres présentés. Il y avait là, par exemple, un éditeur comme les Américains. Par exemple, il y avait Harper & Row à l'époque, ou Viking. C'était des gens qui faisaient de la littérature très respectée, genre Seuil, Minuit, Gallimard. Pour adultes. Pour adultes. Mm-hmm. Et en même temps, ils présentaient un petit rayon de livres pour enfants. Et les livres pour enfants, c'était des albums, et ils avaient un même air littéraire, en quelque sorte. Pas du tout sérieux, mais ils étaient très personnels. Manifestement, on voyait qu'il s'agissait de gens, les auteurs de ces livres pour enfants, aussi, entre guillemets, farfelus que ceux qui écrivaient pour les adultes. Mais ça n'était pas illustré. Si. C'est là que j'ai trouvé les premiers livres de Sendak, voilà. De Tommy Ungerer. Léonie est venu plus tard à ma connaissance. Qu'est-ce qui vous a plu vous avez repéré tout de suite qu'il s'agissait de grands livres Non, grands livres, non. Déjà, de toute façon, quand on parle de livres pour enfants, je trouve des grands livres, il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Mais non, c'est des bons petits livres amusants et j'aimerais bien qu'on arrive, qu'on les sanctuarise pas trop. Ils n'ont pas été faits pour devenir des monuments, ça a été fait pour plaire à des mômes. C'est des jouets, c'est des choses légères, amusantes. Bon, évidemment, dans le léger, dans l'amusant, il y a aussi des trucs, il y a des monuments. Qu'est-ce que vous craignez dans cette sanctuarisation? Ah, je pense que c'est toujours mauvais. Pour tout ce que l'humanité fait, dès que on érige des monuments, dès que on fait des musées, dès qu'on déclare qu'il s'agit de chefs-d'œuvre, la pompe n'est pas loin, et la pompe est ennuyeuse. Alors, jusqu'à maintenant, on a essayé on a réussi plus ou moins à éviter ça pour les livres pour enfants, j'aimerais bien que ça reste comme ça. Je trouve que... On va pas installer des prix Nobel pour la littérature pour enfants. Ah bon? Non, je préfère pas. Je déteste les prix, je déteste les médailles, je déteste les monuments, je déteste les musées. Je déteste tout ce qui est fait pour donner de la... de la raideur aux gens. Il vaut mieux rester... dans un esprit de jeu et de simplicité. Ça me plaît mieux. Est-ce que vous pensez que les auteurs illustrateurs travaillent mieux si justement on ne les traite pas comme des monuments? Ils travaillent mieux quand on est exigeant avec eux, mais pas exigeant dans le sens justement de la solennité.
Mais dans un sens de... Vous savez, raconter une histoire avec des images et des mots est complexe. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi à l'aise avec l'un et l'autre. On est toujours légèrement plus à l'aise avec les images ou avec les mots. Et j'ai étudié aussi un petit peu l'histoire, la petite histoire des livres pour images, et j'ai toujours constaté que les meilleurs auteurs, les auteurs marquants de notre petite spécialité, étaient des hommes d'image, des femmes, des hommes d'image, et pas tellement des femmes et des hommes de mots. Il y a naturellement des illustrateurs, entre guillemets, qui sont plus à l'aise avec les mots que d'autres, mais leur grande spécialité, c'est l'image, c'est le dessin, et c'est comme ça que ça doit rester, et ça doit être. Donc, il faut quand même quelque chose, il faut quand même que nous racontions une histoire dans nos livres. Et vous y tenez, c'est un peu comme les producteurs d'Hollywood qui disaient un bon film, c'est une bonne histoire, ouais. Encore une bonne histoire, toujours une bonne histoire. Ouais. Vous diriez la même chose, ouais. Des livres. Oui, d'ailleurs, Hollywood, c'est mon grand exemple. Ah bon? Oui, j'ai lu beaucoup de livres sur les scénaristes qui sont passionnants et sur les rapports des scénaristes avec les producteurs, les rapports des producteurs avec les réalisateurs, c'est-à-dire les hommes qui dirigent ensuite la caméra, qui dirigent les acteurs. C'est un peu... ils ont aussi le même problème, en quelque sorte. Ils ont un problème d'image et un problème d'histoire. Il faut donc, au départ, une bonne histoire. Oui. S'il n'y a pas une bonne histoire au départ... Qu'est-ce que c'est, une bonne histoire? Si je le savais, je ne produirais que cela. Le problème, c'est que je sais quand j'en ai une. Ah. Je sais aussi quand je n'en ai pas. Mais je ne sais pas comment faire une bonne histoire. C'est un mystère totalement impénétrable. Mais peut-être que vous savez définir cette bonne histoire. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Ouais. En gros, on peut essayer. Voilà. Il faut, au départ, un héros. Une héroïne. Il faut qu'il s'agisse... C'est un peu... Voilà. Les grandes histoires, c'est des histoires, un petit peu, pour être très simple, où il y a le héros fait, mettons, une faute. Il est puni et il y a une rédemption. Oui, c'est basique. Vous avez ça chez Homère, vous avez ça chez Jésus, vous avez ça... Toutes les histoires que l'humanité raconte, c'est un peu ça. C'est le héros fait une faute, c'est-à-dire que sa vanité l'emporte et ne... fait plus attention à ses concitoyens, à ses amis, à ses... et puis il tombe, et il s'aperçoit qu'il a fait une faute. Et là, il paye, et il y a une rédemption. Et là, on est content. C'est la même chose en livre pour enfants? Oui, toujours, bien sûr. Il n'y a pas d'exception. Il nous faut des héros. Pas des anti-héros. C'est pareil, il n'y a aucune différence entre un héros et un anti-héros. En fait, ce qui compte, c'est la capacité d'identification. Exactement. Il faut que le lecteur s'identifie avec le personnage principal ou un personnage secondaire. On a les ingrédients d'une bonne histoire, vous nous l'avez donné. Voilà, le héros, l'identification, la faute, la rédemption. Happy end, de préférence. Ouais. Alors, il faut quand même... Il y a plein de gens qui ont tous ces ingrédients-là. Ouais. Il faut encore que l'histoire soit bien menée, soit bien racontée. Voilà. Alors, Parce que là aussi, il y a des critères. Voilà. Mais... Prenez un exemple comme Tommy, par exemple, Tommy Unger. Oui. Il a fait deux livres, je dirais, archétypiques. Pourquoi? Je parle de Les Trois Brigands et Le Géant de Serralda. Tout à fait. Parce que Tommy, dans son immense sagesse, s'est dit, je vais me prendre moi comme héros. Et qu'est-ce que je veux? Quels sont mes fantasmes les plus profonds et les plus simples en moi? Eh bien, c'est simple. Je veux une petite fille que je veux manger. C'est la réalité. Il voulait manger une petite fille pas si petite que cela, mais une jeune fille agréable, bien tendue, qu'il aimerait manger. Et comme il est pris par sa vanité, parce qu'il veut manger la jeune fille,
Il ne fait plus attention à ce qu'il fait. Il tombe. Il se casse la gueule. Et la jeune fille, comme c'est une jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de lui. Elle le soigne. Elle lui donne à manger. Et naturellement, c'est une jeune fille qui sait magnifiquement faire la cuisine. Elle lui fait un repas formidable. Et le géant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se marier avec la jeune fille parce qu'il va avoir ça tous les jours maintenant. Il va avoir ce repas, cette merveilleuse cuisinière à la maison. Accessoirement, naturellement, elles font quelques enfants et tout finit bien. Vous voyez bien? Il a juste raconté ce qu'il aimerait. Naturellement, il faut encore le transformer en livre pour enfants. C'est ce qu'il a fait. Pareil pour les trois brigands. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de véritable différence entre les rêves d'un adulte et les rêves d'un enfant? Il n'y a aucune différence. Aucune. Comment ça, aucune différence? Ben, je vais vous donner un exemple plus simple. Voilà. Les enfants, comme nous, les adultes, aimons manger. Oui. Qu'est-ce qu'ils aiment manger, les enfants? En gros, du jambon et des pâtes, pour être simple. Quand on vieillit, on apprend qu'il y a beaucoup plus de variétés que cela. Et on apprend à éduquer son palais, en quelque sorte. On apprend que les fruits, par exemple, c'est délicieux. On apprend que les légumes, ça peut être délicieux. Le poisson, bien qu'il y ait des arêtes et toutes sortes de choses dégoûtantes, etc., c'est très bon. On apprend qu'on peut les faire cuisiner de toutes sortes de façons. On apprend, en quelque sorte, que la vie est plus riche, plus complexe, donc beaucoup plus intéressante si on se sert de l'ensemble, de la palette que la nature peut nous offrir. Mais le socle est le même. Le socle est exactement le même. Aimer manger. Oui. Avoir, comment dire, de grandes ambitions hors de ses moyens. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point commun qu'on retrouve régulièrement dans les livres pour enfants? Moi, je vois les rêves de grandeur. Je pense à « je mangerais bien un enfant », par exemple. Oui, bien sûr. La vanité. La vanité, voilà. C'est basique. La solitude, l'envie d'être avec les autres, pas trop savoir comment s'y prendre. Écoutez, c'est simple. Nous devons nous nourrir, nous devons nous entretenir, nous devons travailler, nous devons aimer et surtout être aimés. Oui. Notre plus grand souci, c'est qu'on nous aime. On a besoin de ça, mais encore plus que de nourriture, quasiment. Ça, c'est la même chose pour les adultes. Mais bien sûr, les enfants ont besoin de ça, les adultes ont besoin de ça. Nous sommes des hommes, et ça ne change pas. Ce qui change, c'est l'expérience de la vie accumulée à fur et à mesure, les échecs. On apprend que, je veux ça, je ne peux pas y aller et le prendre. Ça appartient peut-être déjà à quelqu'un. Oui. Ou il faut que... Je veux quand même, mais je ne peux pas l'imposer. Oui. Je ne peux pas lui dire, tu dois m'aimer, là, maintenant. Mm-hmm. Non, il faut que je la séduise, il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle m'aime. C'est compliqué, mais on apprend petit à petit. Et c'est à ça que sert. Mais pourtant, les livres. Il y a de plus en plus d'illustrateurs et d'auteurs qui disent, moi je me moque, je ne pense pas que je m'adresse à des enfants. L'humain est l'humain. Et je ne vais pas m'accroupir pour écrire ou pour dessiner pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez en tête que vous vous adressez à des enfants? Oui, je pense qu'il y a il y a une façon de parler. Encore une fois, c'est je ne peux pas m'adresser à un enfant comme je m'adresse à un adulte, tout simplement parce que l'enfant n'a pas l'expérience de la vie, n'a pas la culture, n'a pas accumulé un savoir qui lui permet d'avoir des références qui me permettent d'avoir un discours plus ramassé et plus riche. Je dois être simple et basique. Sinon, je parle au-dessus de la tête de l'enfant. Et il faut, quand on apprend les mathématiques, on commence par compter 1 plus 1
multiplier, des trucs comme ça. Plus tard, quand on a les bases, on apprend à des règles de trois, etc. On devient de plus en plus complexe. On apprend, c'est ça la culture. Et on ne peut pas commencer avec les règles de trois, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. Donc bien des livres ont des références compliquées que les enfants ne peuvent pas comprendre, qui leur passent au-dessus de la tête. Et vous, vous n'oubliez jamais ? Oui. Il y a parfois des références. Parce que, bon, les enfants voient aussi, voient très vite qu'il y a des choses complexes. Et, vous savez, voilà, la vie, en principe, c'est de voir qu'il y a des choses au-delà de ce que nous connaissons. Ça nourrit la curiosité, voilà. Et ça nourrit notre envie d'aller ailleurs, de comprendre, de réfléchir et de digérer ce que d'autres que nous ont inventé, ont découvert ou tout simplement ont vécu. Et ça, c'est une bonne chose. Il ne faut donc pas dire « je ne parlerai que de ce que les enfants connaissent déjà ». Non. Il y a certainement une dimension qui est une dimension de... Enfin, l'inconnu, il existe. L'inconnu existe, mais il doit être, comment dirais-je, emballé dans quelque chose qui est connu. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un accès à cet inconnu. S'il n'y a aucun accès, qu'est-ce que je peux en faire ? Je ne peux rien faire. Donc, il faut un accès. Et l'accès, c'est à nous de le fournir. Mais nous n'avons... Ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer l'inconnu. Alors, pour nous résumer, une histoire bien racontée, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qui accroche, une histoire qui avance, une histoire... Ça, c'est une question difficile. Voilà. C'est comme les personnes. Vous savez, des gens qui sont intrigants, charmants, intéressants. Et vous avez des gens qui ne sont rien de tout cela. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne saurais définir le charme. Je ne saurais définir... Même l'intelligence, c'est difficile à définir. Il y a des gens qui savent énormément de choses sur un certain sujet. Mais ils ne peuvent pas le communiquer, ou difficilement. Oui, c'est plat, c'est... Voilà, ou... Voilà. Ils ne sont pas intéressants pour l'autre, parce qu'ils sont fermés en eux, ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, c'est pareil pour... Je le vois. Voilà. Quand on me le montre, je vois. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est charmant. Ça, j'aime. J'aimerais plus de cela. Et quand je vois que, non, ça, j'aimerais pas plus de ça, j'aime, ça m'ennuie, je... Non, voilà. En fait, vous êtes très subjectif aussi dans votre approche. Évidemment. Comment je pourrais... Et qu'est-ce que vous demandez à une histoire, alors, de vous charmer, de vous faire rire, de... Non. Déjà, il faut que j'ai envie de tourner la page. C'est ça. Si je n'ai pas envie de tourner la page, c'est mal barré. Oui. Je le fais parce que c'est mon métier, mais si j'ai envie de tourner la page, c'est gagné. Si je n'ai pas envie, c'est perdu. Oui. Et est-ce qu'il y a quand même des techniques, un savoir-faire, une... Oui, comme n'importe quoi, on apprend à raconter, bien sûr. Il y a quand même un talent de base. Je ne sais pas si c'est un talent, oui. Enfin, appelons ça comme vous voudrez, il y a quelque chose d'un peu indéfinissable. Oui, Mais vous savez dire qu'un livre est bon. On prétend que vous pouvez prendre un livre japonais, vous ne parlez pas le japonais, et que vous pouvez savoir si un album fonctionne. La plupart du temps, oui, parce que les livres d'image, encore une fois, c'est l'image qui compte. Et l'image, en principe, raconte l'histoire. Si elle ne raconte pas d'histoire, c'est mal barré. Parce que les petits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lisent le livre en lisant les images. Ouais. Ils tournent les pages et le son, c'est les adultes qui leur donnent. Ouais. C'est comme au cinéma. Si au cinéma, vous n'y comprenez que dalle sans les mots, c'est moins bien. Les grands films, à mon avis, peuvent se regarder presque sans texte. Le texte, ça sert à faire le pont et à donner des indications sur
l'état d'esprit des héros, des acteurs, etc. C'est pareil pour les livres d'images. Bien sûr, il faut des mots. Vous aimez les histoires, vous croyez aux histoires, vous pensez que les enfants ont besoin d'histoires, vous ne craignez pas du tout que les... vous n'avez pas peur que les enfants se désintéressent des livres parce qu'ils ont bien d'autres histoires dans les jeux vidéo, dans l'audiovisuel, etc. Je ne sais pas. Il y aura toujours des histoires. Je ne vois pas l'humanité vivre sans histoire. Parce que tout simplement, moi je me regarde, je sais comment je fonctionne, je ne peux pas vivre sans livre. Vous me direz, il y a plein de monde qui vit sans livre, mais ils ne vivent pas sans histoire. Alors oui. Eux, ils les prennent ailleurs. Oui. Et je ne dis pas qu'il faille absolument des livres. Après tout, le livre, il n'a une existence, ça fait que 4 ou 5 siècles. Et c'est ridicule par rapport à l'histoire de l'humanité. Mm. C'est même pas une seconde. Donc, je suppose qu'on peut inventer, enfin, on peut trouver des histoires ailleurs que dans le livre. À vrai dire, ça m'est égal. Vous aimez aussi qu'une histoire soit bien dessinée. Il faut rester centré sur le dessin. D'ailleurs, certains vous le reprochent en disant que l'école des loisirs n'avance pas beaucoup. N'avance pas beaucoup. Dans quel sens ? Ne se renouvelle pas assez. Se renouveler étant avoir des bons hommes en fil de fer, des bons hommes en pâte à modeler, enfin explorer d'autres formes, des collages, des... Voilà. On a fait ça au début, on a fait... On a fait ça même, oui, partiellement tout au long de notre histoire. Beaucoup de ces expérimentations dans les livres d'images d'aujourd'hui sont des expérimentations qui datent, c'est-à-dire que on nous dit, vous parliez de collage, de fil de fer, etc., ouais. etc. Tout ça, ce sont des expérimentations qui ont été faites par des artistes pour adultes, entre guillemets, au début du XXe siècle, plus ou moins. Nous avons eu l'abstraction, nous avons eu les expressionnistes allemands, nous avons eu les surréalistes, enfin tous ces gens-là ont fait cela à peu près à cette époque-là, les collages, Max Ernst, etc. Ouais. Ça date donc d'un siècle à peu près. Alors quand on me parle de nouveautés esthétiques dans le livre d'images, ça me fait un peu rire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'autres moyens de communication. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des possibilités avec des collages. Par exemple, nous avons nous-mêmes publié un livre de Léo Lioni, plusieurs livres de Léo Lioni qui utilisaient le collage, donc le fameux petit bleu et petit jaune. Nous avons fait des livres avec des expériences des designers italiens comme Munari, toutes ces choses-là sont intéressantes, mais la plupart du temps ratent leur cible, c'est-à-dire tout simplement, ils font plaisir à quelques adultes, mais pas tellement aux enfants. Les enfants s'en fichent de ces choses-là, parce que tout simplement, ce n'est pas de leur temps, ce n'est pas de leur âge, ça viendra plus tard. Les enfants n'ont pas par définition, une culture esthétique et une culture historique nécessaire pour pouvoir déchiffrer l'art contemporain. Ce qu'ils veulent, et ce que je veux, c'est que nos dessins expriment clairement Les émotions, les attitudes du héros ou des protagonistes pour que ce soit lisible. On comprenne s'il est angoissé, s'il a peur, on comprenne s'il est joyeux, on doit comprendre si le héros est quelqu'un de un peu
furtif ou éventuellement de très assuré, qu'il soit courageux ou craintif. Toutes ces attitudes doivent s'exprimer clairement dans le dessin. Car les petits, ils lisent les dessins. Le texte, c'est comme au cinéma, ils l'entendent. C'est les adultes qui leur lisent le texte, mais le dessin, c'est leur lecture à eux. C'est vraiment avec ça qu'ils s'identifient, grâce à ça qu'ils s'identifient ou qu'ils ne s'identifient pas avec les protagonistes. S'ils s'identifient, nous avons gagné. Ils sont lecteurs. S'ils ne s'identifient pas, ils ne vont pas s'intéresser au livre. Et pour pouvoir s'identifier, nous avons besoin d'un dessin, certes simple, mais réaliste. Simple dans la visibilité, pas forcément dans la diversité des expressions. Oui, absolument. Non, mais quand je dis simple, je pense à quelque chose. Souvent, les illustrateurs pensent enrichir le dessin avec ce que nous appelons ici du papier peint, c'est-à-dire oui. Que leur environnement sont très très complexes, il y a beaucoup de choses et qui est parfaitement inutile, mais qui rend difficile la lecture de l'image. C'est-à-dire qu'il y a trop de décors. Il y a pas forcément trop de décors, mais un décor qui mange l'attention. Au lieu d'être sur le héros, sur le visage ou la figure du héros, on perd l'attention parce qu'on est distrait par des objets inutiles, par la complexité, encore une fois, du papier peint ou de la végétation, etc. Tout ça. Chez Claude Ponty, par exemple. Eh bien, vous ferez attention que Claude Ponty fait énormément attention en mettant la lumière pile sur son héros. Ça peut être riche autour, mais c'est toujours dans des tons foncés, c'est toujours dans des tons qui sont plus ou moins dans des camailleux, et le héros sort parce qu'il utilise le projecteur. D'accord. Et le projecteur donne la lumière sur le héros. D'accord. Et alors, la lecture de l'image est exemplaire. Les états d'âme du héros ne suffisent pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi un enchaînement d'actions à avoir. Oui. Ben, ça c'est... Il faut avoir envie de tourner la page. Et la page suivante raconte la suite. Oui, c'est l'action. C'est l'action. Une image suit l'autre. Et entre deux images, il y a un espace et il y a du temps. Oui. Et entre les deux, il s'est passé quelque chose. Et l'image suivante nous dit ce qui s'est passé. Et nous devons comprendre le déroulement. Il y a, ça aussi, c'est les séquences. C'est comme au cinéma, parfois on coupe. Et on voit une heure après, deux heures après, trois jours après, dans un autre décor. Mais il faut qu'on comprenne que c'est le même homme, c'est le même héros, et il a fait ceci. Donc l'ellipse, enfin plutôt ce qu'on a coupé, doit être compréhensible. Et c'est pareil pour les livres pour enfants. Mais vous avez parlé de Léo Lioni, vous pensez oui. que ça n'est pas tout à fait adapté? Je pense en effet que ce n'est pas... C'était un bon conteur, mais ce n'est pas un très grand visuel, en quelque sorte. Alors ce que vous voulez dire, en fait, c'est que les dessins est irremplaçable pour donner, pour permettre la compréhension d'une histoire oui. et des sentiments. Oui, parce que... Vous savez, le dessin a un énorme avantage. Il permet de simplifier l'expression avec des moyens très, très, très réduits. Des petits points pour les yeux, un petit trait. Il faut juste qu'il soit précis. Si c'est précis, c'est parfait. Je pense à Michel Gay, par exemple, qui est un très grand dessinateur et qui sait, avec... très très petit moyen, donner une expression juste et immédiatement lisible à ces personnages. C'est-à-dire arrêter le mouvement exactement au moment où il faut pour lui donner son sens. C'est un immense vide. Évidemment, ça paraît plus simple de faire ça avec du dessin qu'avec du collage. Ben oui, parce que le collage, vous collez quoi?
un morceau de papier. Oui. Il faut le découper, et encore une fois, le découper, après c'est une surface. Et il faut ajouter quelque chose pour qu'il devienne expressif. Oui. L'exemple de petit bleu et petit jaune est un contre-exemple frappant. Mais ce livre-là, il marche essentiellement à cause de la thématique et à cause de la simplicité de l'histoire. Car il s'agit simplement... Qui, elle, est très concrète. Elle est très concrète. Et c'est une histoire qui nous touche tous, car il s'agit de la reproduction. Il s'agit de faire un petit. Et un petit avec du jaune et du bleu, et il devient vert. Et ça, c'est... On ne peut pas faire plus simple. C'est la vérité dans toute notre histoire d'humanité. Moi, je suis le produit d'un petit bleu et d'un petit jaune, et je ne suis ni bleu ni jaune, je suis vert. Voilà. Fallait le trouver, c'est magnifique. Et quand vous aidez vos illustrateurs, vos auteurs à progresser, c'est dans ce sens-là, en allant toujours vers plus de simplicité, de justesse dans les mots et dans le dessin, dans le trait. Oui. Vous savez, c'est un éditeur, c'est quelqu'un qui voudrait évidemment ne publier que des chefs-d'œuvre. Aucun auteur ne produit que des chefs-d'œuvre. Ça n'existe pas. Presque chaque auteur a un sujet. Un sujet. Oui. Il fait un bon livre. Tommy, Les Trois Brillants, c'est un chef-d'œuvre. C'est pur, c'est simple, c'est parfait. Après, il s'est dit, mais je vais le refaire. Il a fait L'Ogre de Zeralda, c'est aussi un chef-d'œuvre. Et chaque fois, c'était ça, son sujet. Donc, est-ce que vous orientez toujours vos auteurs-illustrateurs vers le même sujet ? Non. Non, non. Je sais simplement que chacun a, lui, un grand livre. Chacun. Et j'essaie juste quand je suis bon, de leur dire, de leur faire confiance. Et quand je suis mauvais, ce qui m'arrive souvent, je leur dis, mais pourquoi tu racontes pas ça? Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi tu... Donc je donne des conseils. Et pourquoi est-ce que c'est être mauvais? Parce que mon travail, c'est de choisir un auteur et de lui donner confiance. Et ensuite, il fera. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, je ne suis pas un homme très, très idéal. Et je suis impatient, et je perds mes crises de d'angoisse. Et je pense que jamais on arrivera à faire un programme respectable cet automne ou le printemps prochain, etc. etc. Et j'essaye de les cajoler, de les encourager et de temps en temps de les engueuler pour que ce qu'ils sont en train de faire soit mieux. Voilà. Ils sont très contents puisqu'ils restent. Oui. Oui, c'est flatteur pour moi, mais ils restent parce que, à la base, je sais quand même que nous, on est là surtout pour leur offrir tous les services possibles et imaginables pour que leurs livres soient vraiment les meilleurs possibles. Et ça commence avec une sorte de conseil, parce que parfois, ils hésitent, ils ne savent pas quand ils commencent un livre, si ça serait bon, si ça c'est moyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'améliorer. Et là, nous intervenons, je ne suis pas toujours... Bon, je suis généralement le premier, l'interlocuteur privilégié, mais j'ai des collaborateurs qui sont là depuis longtemps aussi et qui m'aident. J'ai, du côté du visuel, j'ai Jürg Roth qui est là depuis 30 ans, Marcus qui est là depuis autant d'années, sinon plus, Christelle qui va prendre la place de Jürg et qui est là depuis 5 ans. Enfin, et du côté du scénario et des découpages, je consulte beaucoup Anaïs, je consulte beaucoup Florence Sevos, Anaïs Rogelade.
C'est vrai qu'ensuite, c'est difficile de. Il faut savoir être un petit peu modeste parce que ce que nous pouvons apporter, c'est juste ça. C'est une espèce d'assurance que quoi qu'il fasse, on essaiera toujours de faire en sorte que, une fois imprimé, le livre aura la meilleure allure possible. C'est tout ce qu'on peut faire. Bon, évidemment, de temps en temps, il y a un livre qui restera. Si on en a un par an, c'est déjà pas mal.